Ok, alors voilà, bienvenue au 33 Cove Street, c'est là où j'habite. Vous n'allez pas être déçus du voyage. 33. Je vous invite à entrer dans cette magnifique maison. Donc là, il y a un aspirateur, mais bien sûr, c'est pas à nous, hein, ce serait trop beau. Je vais vous montrer le petit coin de jardin, hein, ce qu'on nous a vendu comme coin de jardin. Voilà, donc le local à poubelle, c'est sympathique. Voilà, vous voyez comme c'est propre, c'est génial, on adore. Voilà, mon petit coin fumeur pour quand il pleut. C'est magique. C'est magique. Voilà, il y a une ampoule là, elle est censée être là-haut. Là en bas, il y a des genres de bacs pour le frigo, des chemises et tout un tas de merdier. Donc il y a eu des bonnes petites fêtes là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, rentrons. Alors. Magnifique cuisine. Voilà, voilà. Bizarrement, je sais pas pourquoi, personne n'avait mis de choses dans ce placard-là. Donc, c'était le seul vide où je pouvais mettre mes affaires. Donc, voilà. Je me demande pourquoi personne n'a mis d'affaires ici. Si ma grand-mère voyait ça. La pauvre, elle va voir ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Sympathique. Ah oui, on est neuf, on a juste deux petits frigos comme ça. Voilà, qui sont bourrés à craquer. Le petit congélo, pareil, hein, y a plus une seule place nulle part. Ensuite, le deuxième frigo, pareil. Hein, bourré à craquer, plus de place nulle part. Allez, la meilleure pièce de la maison quand même, le salon. C'est grand, c'est sympa. Hein, voilà, on a des bons petits canapés. Alors ça, c'est un chauffage camouflé en cheminée. Ça, c'est marrant. Allez, je vous emmène à l'étage maintenant. Toutoum. Ouais, donc les escaliers en moquette, sachant qu'on n'a pas d'aspirateur, c'est super cool. Donc là, on a la chambre numéro 1, où on avait un espagnol, mais il est parti. Parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, c'est étonnant. Hein. Voilà, ça c'est la meilleure salle de bain, franchement. Voilà, vous voyez, il y a une fenêtre et tout. On a un lave-linge, un sèche-linge, donc on va pas se plaindre. Vous voyez, ça c'est la meilleure douche. Hein. Voilà, elle est très propre et c'est génial. C'est très, très sympathique. Maintenant, je vous emmène dans la pire salle de bain. Sans fenêtre, sans rien. Voilà, regardez le toit. Je sais pas si vous voyez, c'est genre tout moisi. Voilà, on adore. On adore. On adore. Voilà, c'est bien moisi, bien dégueu de partout. Il n'y a pas de fenêtre, donc pour l'aération, c'est génial. Donc ici, on a la chambre numéro 2, où il y a deux Espagnols de plus. Des filles. Je vais juste fermer la porte de la salle de bain parce que ça fait un boucan infernal, les lave-linges. Maintenant, je vous emmène au deuxième étage. Chambre numéro 3, donc là, on a un Allemand. Chambre numéro 4, là, on a une couple de Français. Et voici ma chambre numéro 5. Voilà, donc moi, je dors là, c'est mon lit. Et ça, c'est ma coloc italienne. Organisé, n'est-ce pas? Et encore, ça c'était sur mon lit, je l'ai viré. Voilà, sympa. On n'a pas de bureau, hein, c'est une commode, hein, faut pas rêver quand même. Voilà, et ça c'est la vue depuis ma chambre. C'est pas trop dégueulasse, ça va. Voilà, je vais vous montrer le petit coin de jardin, vue d'en haut. Donc c'est à droite, hein, bien sûr, parce que ça c'est chez le voisin. Hein. Voilà, donc chez le voisin, c'est très joli, sympa, avec du bois, une petite table, des végétaux. Et chez nous, ben c'est parfaitement dégueulasse. Voilà, vous aurez vu là où j'habite.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris la petite pub pour l'agence de logement Easy City Cork.